Samantha, bon anniversaire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Je suis née le 12 mai et on est le 20 novembre. Mais non, je parlais de nos droits d'enfant. Ah bon? J'ai des droits, moi? Oui, il y a tout juste 20 ans, 100 de notre pays ont signé une convention reprenant 54 droits pour vous les enfants. Super! Papa ne pourra plus me demander de laver la voiture. Écoute, je pense que si on a des droits, on a aussi des devoirs. Mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin de droits. On est heureux, nous, ici. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les enfants. C'est vrai. J'ai vu à la TV que certains travaillaient à la place d'aller à l'école. Pour que vous vous rendiez mieux compte, je vais vous présenter 3 témoignages d'enfants de votre âge. Je m'appelle Afram, j'ai 10 ans, je vis au Ghana et je récolte le cacao 14 heures par jour. Bonjour, je suis Mathéo de l'Équateur, je transporte des pierres 10 heures par jour au lieu d'aller à l'école. Bonjour, je suis Saïma du Bangladesh, je construis des boîtes d'allumettes pour me payer l'école. Mais c'est injuste, on va se révolter contre ça. Que veux-tu faire? On n'est que des enfants. Eh bien, faisons passer un message aux adultes. Et pourquoi pas en chanson? Ouais, bonne journée, super. Bonne idée. Mec, bonne idée, Gauthier. Voilà, c'est fini. Je propose qu'on la présente aux parents pour Noël. Ouais! J'ai été fort émue de votre chanson et du message qu'elle comportait. Je vous propose de l'enregistrer sur CD. Ouais, super! Bonne idée! D'accord? Génial, moi je me vois déjà faire une tournée mondiale. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de travailler à 14 ans. N'oubliez pas cette convention. Quand je pense à ça, j'ai le moral. La convention, c'est super cool. Les 54 droits, j'y ai droit. Un peu de respect et d'amour pour les enfants. Et les gars, gardons bien ce message en mémoire. Ouais, t'as raison, on a le droit de travailler à 14 ans. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.